21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, on va vite faire le jeu des citations bouche là, parce qu'on est un petit peu à la bourre du coup. Hein. Le jeu des citations maintenant avec Clotilde qui est là. Salut Clotilde. Salut. Comment ça va? Bien, toi? Bien. Hello. Oui, ça va aussi, oui. Bonne bon, jeu des citations, Clotilde. Oui, ouais, c'est ça, gentil. On n'a pas le temps. Voilà. Bon, tu vas jouer pour regagner les cadeaux, Clotilde, c'est normal. Citation de Bush, a-t-il dit ou pas? Tu me dis vrai ou faux? Nous sommes en train d'avoir les meilleurs étudiants américains dans le monde. C'est impossible. Enfin, oui, il l'a dit, oui, c'est possible. Voilà. Vrai. Tu dis quoi, Clotilde? Vrai, effectivement, c'est une bonne réponse. C'est mieux que lui pour dire des trucs pareils. Question suivante. Surtout quand tu sais que on vient d'avoir Camille qui décroche en plein cours et qui se lève et qui nous écoute sur internet, quoi. C'est vrai. Bon, deuxième question. Depuis Bill Clinton, pour devenir stagiaire à la Maison Blanche, il faut passer un examen oral. C'est faux, ça. C'est vrai. C'est faux. Attends, c'est une citation de Bush, ça? Soi-disant. C'est faux. Clotilde, il a dit ou pas? C'est faux. Effectivement, c'est faux. Ah. Heureusement pour lui, d'ailleurs. Troisième, chaque jour je bats mon propre record pour le nombre de jours consécutifs que je suis resté vivant. Oui, ça il l'a dit. Clotilde, vrai? Eh ben c'est faux. Ah. Et quatrième, ce n'est pas la pollution qui dégrade l'environnement, ce sont les impuretés dans l'air et dans l'eau qui sont responsables. Il l'a dit. Ça c'est vrai. Vrai? Oui. Et donc c'est le président des États-Unis d'Amérique, l'homme le plus puissant du monde, qui a dit ça. Et il l'a dit. Hein. Et dernière question, il est temps pour la race humaine d'entrer dans le système solaire. Ah oui, il serait temps, ouais. Là, il va commencer à être temps, vite. Hein. Parce que bientôt... Clotilde, il a dit ou pas? Il l'a dit. Clotilde? Oui. Non, il l'a pas dit. Est-ce qu'il a dit ça ou pas? Il est temps pour la race humaine d'entrer dans le système solaire? Non. Eh ben si, il l'a dit. Mais ça fait quand même trois bonnes réponses sur 5. Donc ça va, Clotilde, hein, sur le film, et c'est gagné quand même, Clotilde. Ouais. Bon, je te fais des bisous et je te renvoie chez les rillettes au standard, ok? Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, ouais. Bah, je te fais une dédicace à Farid que j'aime et à ma mère et à tous mes amis. D'accord, bel message est passé. Est-ce que tu crois que George Bush croit que la Terre tourne autour des États-Unis? Tu sais que les États-Unis tout comme les Parisiens pensent que en fait la France tourne autour de Paris. Tu vois, et que ça tourne. Pour nous, ça tourne autour du périph. Ouais. C'est pas pareil. Non, ça tourne même pas. Oui, ça pouvait tourner. C'est en bouchon autour du périph. Bouchon, ouais. Bon, gros bisous, Clotilde. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.